Dominus vobis. Si les portes de l'église sont ouvertes, pour la première venue de cet abbé, l'accueil des fidèles est glacial. À l'intérieur, il est seul et très embarrassé. C'est une souffrance. Ah oui, c'est une grande souffrance pour l'église de voir qu'il y a des divisions internes à l'église. Cinq minutes plus tard, tous ces croyants hostiles à la révocation se sont rassemblés dans l'église du village d'à côté.
qu'est-ce que le pape demande? C'est justement que les prêtres et les évêques travaillent au bien des âmes. Et tout ce qui est fait ici va à l'encontre de ce qui est demandé. Et on a un curé qui se trouve être mis au placard, qui est l'abbé Michel, et il est victime d'une injustice scandaleuse. Alors ils sont venus prier entre eux. Mais quand l'abbé remplaçant arrive pour la deuxième célébration de ce dimanche, il lui tourne le dos. Du jamais vu en 48 ans d'exercice. Je m'attendais pas à ça. On fait pas semblant de prier comme ça, d'une manière agressive. Gêné et touché, l'abbé a finalement célébré sa messe presque seul. Ici, les esprits sont encore très loin d'être apaisés. Amen.